le dessin. Et notre ami était très occupé. Tous les jours, il se rendait à son grand atelier où des lutins fabriquaient des jouets très modernes pour les enfants. Il y avait aussi les reines que le Père Noël visitait tous les matins. Mais celui qu'il préférait s'appelait Rudolf. Il flottait l'animal en disant: or, une nuit que le Père Noël dormait ronflait, le lutin Patapouf, qui prenait soin des reins, dit à ses compagnons: si on allait se promener dans la forêt cette nuit, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Excellent idée! Youpi! En moins de temps qu'il ne faut pour dire, Patapouf attela les reins au traîneau du Père Noël, y compris Rudolf. Et les lutins partirent en criant: il eut beau crier: attendez-moi, attendez-moi! Hélas, les lutins poursuivent leur course sans entendre le pauvre Rudolf. Ils se promènent dans la forêt par la énorme. Puis, ils reviennent chez le Père Noël, se couchent et s'endorment. Le lendemain matin, quand le Père Noël apprit que son reine Rudolf était disparu, il s'écria: quel malheur! Quand je pense que le plus beau de mes reines est perdu, mec, c'est épouvantable! Notre vieille amie était désespérée lorsque la fée des étoiles arriva sur les lieux en disant: le Père Noël se rendit aussitôt dans le domaine des reines. Rudolf pleurait. Il disait: lorsqu'il minuit sonna, le Père Noël se mit en route pour son grand voyage avec un ami Rudolf. Et joyeux, le vieil homme chantait: ok, on chante.